Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons prendre une leçon de grammaire pour première année. Les adjectifs. Il y a des adjectifs masculins, il y a des adjectifs féminins. Vert, verte, bleu, bleu, noir, noir, blanc, blanche. Rose, rose, rouge, rouge, marron, marron, jaune, jaune. Alors, comment savoir les adjectifs masculins ou féminins? À travers quelques mots, comme les adjectifs et les articles indéfinis, comme un pour le masculin, une pour le féminin. Alors, il y a une marque ici, un. Une, le égale zin, la, ce égale zis, in English, cette pour le féminin, d'accord? D'accord. L'adjectif vert, au féminin on ajoute e, alors c'est verte, vert. Verte, on a changé l'écriture et la prononciation aussi. Vert, verte, bleu, bleu. Ici, ça change. Ça change comment? À l'écriture, on ajoute E, mais la prononciation la même. Bleu, bleu. Prononciation la même. Noir, noir. On ajoute aussi E, mais la prononciation quand même. Il y a des adjectifs exceptionnels. Blanc, au féminin, blanche. On ajoute H et E et on dit blanche, blanc, blanche. Il y a aussi des adjectifs qu'on ne change pas, ni aux prononciations, ni à l'écriture, comme marron, marron. Ça va? Ça va. Allons à l'exercice. Pauline, mais une jupe. Au choix, il y a vert et verte. Vert ou verte. D'accord, excellent. Verte, une jupe verte. C'est un pantalon noir ou noir. Noir avec E ou sans le E. Bravo, un, alors noir sans le E. D'accord? Cette chemise, cette. Blanc ou blanche? Blanche. Excellent. Papa met une cravate. Une cravate. Bleu. Bleu. J'achète un pull-over. Marron ou verte? D'accord. Marron. Pourquoi? C'est un ici. Alors, n'est pas verte. C'est marron masculin ici. D'accord. Sophie achète une robe, blanc ou rouge? Rouge. Excellent. Bravo. Excellent. Au revoir. Merci à tous.